J'ai mal au dos, plus précisément au niveau des lombaires. Voici comment traiter le problème en profondeur. Bonjour à vous, Mathieu Spanko, votre coach sportif et motivateur. Aujourd'hui, on va prévenir et guérir le problème de dos grâce au sport sans matériel. Si c'est la première fois que je te retrouve sur cette page, je t'invite tout simplement à t'abonner et à partager la vidéo parce que nous savons tous que le problème de dos, c'est un problème universel. Et pour la séance d'aujourd'hui, tu auras juste besoin de ta motivation, d'un tapis de sport et sans oublier ton kit brûleur de graisse naturel, irréversible, biocertifié qui va comme ça aussi contribuer à renforcer la masse osseuse de tes lombaires. À ta santé. Et le premier exercice va consister à se mettre dans cette position. Et on va faire la position du chien là. On revient là. On pense à expirer et à inspirer profondément. C'est très important pour le dos. On souffle bien. C'est parti. On profite de l'instant présent. C'est parfait. On souffle bien. On tient bon. Oh. Wow, je sens mon dos qui est vraiment en train. Parfait, on passe au sol. Et le prochain exercice va simplement consister à décoller les pieds du sol là et je vais me soulever, je vais soulever le buste comme ceci de façon à contracter au maximum le bas comme ceci. Là, je bloque pendant une ou deux secondes et je relâche doucement. Là, je reviens. Là, je reviens. Comme ceci. Là, je reviens. Là, on expire et on expire. Si vous pouvez aller plus loin, c'est parfait. Alors, prochain exercice, on enchaîne directement. On se met allongé. Là, on plaque le dos au sol, on décolle légèrement les fesses et de façon à ne pas avoir de creux là en bas des lombaires, là comme ceci. Et on va tout simplement essayer de se relever là, comme ceci. On pense à bien souffler. On sent comment les lombaires sont en train de se détendre. C'est le but recherché. On pense à bien souffler. Très bien. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on travaille aussi en même temps les abdos. Hein? Comme quoi, on ne peut pas échapper. Hein? On souffle bien. Prochain exercice, on se met à quatre pattes. Et on va tout simplement, le coude va venir toucher le genou opposé et on va faire ceci, là. Comme ceci. Parfait. Je suis très fier de vous. Et si tu as trop mal au dos, il faut peut-être essayer de diminuer ta consommation de viande et les remplacer par exemple par des champignons. Ok? On pense à bien souffler. On tient bon. Parfait. Ouh. On
change de jambe tout de suite. On attaque directement. Là. Ton alimentation reste aussi l'une des choses très importantes à revoir, mon ami. On souffle bien. Parfait. Allez, on tient bon. Encore quelques secondes. C'est très bien. Très bien. Alors, le prochain exercice, on va repasser au sol et tu vas simplement détendre tes lombaires, ok? Tu vas rester dans cette position, le bas du dos bien plaqué au sol, là. Et tu essayes de ramener tes genoux vers ta tête en fait, comme ceci. Tu profites de l'instant présent. Tu contemples les nuages, les oiseaux et tu te laisses emporter en fait. N'oublie pas de bien respirer, c'est très important. Parfait. On souffle bien. C'est bon. Bravo. Alors, c'était tout pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que le contenu te parle. J'espère que tu as appris quelque chose. N'oublie pas, si tu veux comme ça aller un peu plus loin dans tes objectifs, sache que je propose des séances de coaching personnalisées avec le suivi alimentaire qui va avec. D'ici là, partage la vidéo, abonne-toi. Et porte-toi bien. Ciao !